Eh bien, salut à toi YouTube, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest pour continuer la playlist American Muscle Mustang, seconde partie. Si jamais vous n'avez pas vu la partie précédente, eh bien n'hésitez pas, la vidéo est déjà sur la chaîne et également en description, voilà, dans les premières lignes, dans autre partie, partie 1, Muscle Car, genre American Muscle Car Mustang, partie 1 avec le lien juste derrière. Aussi, en même temps, il y a le timecode pour vous aider à avancer dans la vidéo et aussi écart. Je sais pas trop comment dire ça. À chaque fois qu'on va faire une épreuve, je lis un peu la description de l'épreuve et je montre un peu où est-ce que c'est sur la carte. Bon, ça c'est l'habitude. Le montrer sur la carte, c'est peut-être pas obligé, j'avoue qu'on ne voit pas très bien. Mais c'est une habitude et j'aime bien faire ça. Mais dans tous les cas, si vous voulez directement aller aux épreuves, skip ça. Dans le timecode de la vidéo, genre quand c'est écrit activité 3, course 3, nanana, avec le titre de la course, c'est directement dès le départ. C'est pas quand j'ai commencé à lire tout ça. Voilà, comme ça c'est plus facile pour vous, comme je sais que ça en intéressera que très peu d'entre vous. Honnêtement, vous voulez juste la course, les descriptions et tout, en vrai, la plupart des gens ils s'en fichent un peu, tout, mais au moins je le mets quand même et vous pouvez quand même y aller plus vite en avançant et, à l'aide du time code. Pas du... Vous avez compris. J'espère donc YouTube que cette vidéo vous plaira. Deuxième partie, donc fin de cette playlist qui est plutôt cool. Bon visionnage. Voilà, on est arrivé à Palm Springs Riot, conduit de l'arche de Kawela à Waiawa et rejoint une course aux accents californiens, une route panoramique, je vais essayer de lire, à couper le souffle et une muscle car américaine qui n'a plus besoin d'être présentée à la Mustang chez lui, GT500, qui m'appelle ça la liberté. Voilà, on est sur la carte. Chaque fois que je monte, j'ai l'impression que ça fait rien, mais c'est une habitude, donc voilà, on est ici. Hein. Avant, on était là, et là, on est là. Voilà, c'est utile. Allez, on va peut-être rentrer dedans et faire la course, nous. On sait bien, on va se faire chez... on va retourner sur des courses simples. Bah, vas-y, on va essayer de monter la difficulté d'un petit rang, vas-y, vas-y. Bah, c'est parti. On va remonter un peu tout ça. Je crois que ça devrait se faire, en vrai, en 4, ça devrait aller. Elle est jolie, elle. De 2020, comme elle disait la petite car. Forcément, comme le dernier. Pas mal, la Dodge L4, là. Ou démon. La démon, la L4, je sais pas, vas-y, c'est pareil. C'est mon truc. Il faut l'expert, il n'est pas expert, laissez-le. Ouais, ça c'est mon truc. Une bonne vieille compétition en mode underground et une méchante muscle car pour laisser tout le monde sur le carreau. Bon, déjà là, en termes de bons véhicules, on va monter un cran par rapport à avant. Et ça se sent déjà. Ah, j'abuse. Hey, j'adore ce morceau. Ouais, c'est pas pour ça que je joue bien. Attends, on a juste la top 3, donc au pire, si je suis pas très bon, bah ça va. Bon, je la trouve pas. D'accord. Avec mes voitures et mes sons, tu gagnes. Ah, je suis pas voilà, si bon là. Hein. Attends. Ouais, t'inquiète, on gagne, on gagne. Ça dégage. J'aime bien son bruit à elle quand même. Non. Est-ce que t'as déjà fait la route de San Diego à Palm Springs? Oui, sur ce coup. J'ai un peu le même feeling avec cette virée. Il y a des vues à couper le souffle et de longues étendues d'asphalte pour laisser ta monture se défouler. Il n'y a pas à dire, le meilleur de l'Amérique. Au moins, il comble les blancs, c'est déjà pas mal. On va rattraper les deux devant là, si je vais sortir de l'herbe. Ah là j'abuse. Oui bah c'est bon, oh. Pas comme ça. Hein. Il m'engueule et tout l'autre. Allez dégage là. Voilà. Reste derrière. Ça va, je perds tellement de vitesse.
Je veux pas des virages comme ça, tu sais, putain, avec compliqué. Avec le Mustang Shelby GT500, on est sur de la muscle car moderne. Et tu peux me croire, ces voitures ont fait du chemin depuis leur première apparition. Un max de chemin. D'accord. Et bah on te croit alors. On les appelait les Hot Rod dans les années 50. Quand les types ont commencé à mettre des moteurs de gros cylindrés appelés Big Blocks, je vois, dans des voitures pas chères. La technologie a beaucoup évolué depuis. Mais une chose est sûre, c'est la même passion qui incitait les gens à repousser les limites à l'époque qui nous anime encore aujourd'hui. Ok, ça va, c'est pas si pire. Oh, presque bien le virage là. Dommage. Ça va de l'intérieur, elle ? Pas la peine de ralentir. Oui, on sait. Moi j'aime bien les compteurs comme ça. Hein. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais moi j'aime bien. Hein. Bon, après c'est comme d'hab. Hein. Ouais, ah ouais, trop bien. Je suis trop fort. Et je vais partout sur la route. Oula, il va pas droit en plus. On va s'en mettre comme ça. Hein. Entre dans la base militaire. Ouais, comme ça dans la base militaire. On va où là? On va faire quoi là-bas? Ah non, mais peut-être c'était bizarre, monsieur Punt. Ouais, carrément, comme il dit. C'était un super set. Si tu continues à jouer comme ça, je pourrais bien devenir ton Roddy. Ok. Ouais, avec les Red. On connaît. Est-ce que c'est vraiment la même? Ou une petite différence comme la couleur? Ou je sais pas, et tout, non. Et bah, on va voir. Ah, c'est pas la même, ça change un peu. Oh, elle est même un peu plus armée celle-là. Tu sens qu'elle est là pour prendre du caillou. C'est parti! Bam, avec un truc à son plus poussé à la TC2. Putain, on voit quand même, c'est. Ça se voit que c'est plus courant, genre c'est Black plus large. Aime-moi ça. Eh ouais, je t'ai préparé une autre de mes Mustangs GT spécial Rally Raid. Ça va faire bizarre mercredi quand on retournera sur The Crew 2 pour faire le Summit. Et peut-être l'épisode 2 du flashback aussi. Ça va faire bizarre. À la seconde nouvelle épreuve. Regarde-moi ça! Tu vas kiffer! Sérieux, mais mate-moi ce sommet! Ok. Quoi, on est encore niveau 4? Voilà. Déjà, mais bon, ça devrait le faire quand même. Hein. Avec Dwayne, Dustin, Jude, Lena, Jenny et Emma. Accroche-toi, et... ça va secouer. Voilà, on te loupe comme ça, mon pote. Exactement, elle est à nous, à Seine. Ouais, les étoiles, ouais. Et regarde les gradins à ta gauche. On dirait que t'as des fans. On va leur en donner pour l'argent. Mes fans. Ok. Oh, attention ici. On va s'amuser, nickel. Ouais, elles sont sans trop, mec. Prépare-toi à t'envoler. Oh, le big jump. J'ai pas tant ni trop que ça, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Oula. Ok.
Et Tim, il lâche pas l'affaire, hein. Oula, mais il m'arrête derrière, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ralentir autant, moi? Bon, c'est ce qu'il nous rattrape quand même, Tim, du coup, en vrai, il nous rattrape un peu. Pas de fou non plus, mais un peu. Second tour et dernier tour. Allons défier géant encore une fois. Non, retour en arrière. Comme ça. Voilà. Attention à la. Oh là 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 là, c'est compliqué, c'est pas ça qu'il faut faire. Aïe aïe ouïe ouïe ouïe. Alors vous derrière, c'est où vous êtes. Et voir en première personne, est-ce qu'on peut. Est-ce que ce con se sent un peu haut? Non. En tout cas, ça serait possible d'avoir un petit sentiment de hauteur là-dessus. Je sais pas. Il y a pas mal de volcans aussi là-bas. Et de longues routes qui disparaissent à l'horizon. Mais tu sens plutôt à l'aise, donc ça va. Voilà. On va pouvoir le rattraper un peu. Moi qui n'ai pas de checkpoint à droite, mais nickel. On va être pas trop à tourner, on cut. Même là on peut. Je sais pas à quel point les barrières ralentissent ou pas dans le jeu. Ou aussi avec quel véhicule que là, j'ai pas l'impression que ça ralentisse alors que quand on est en street j'ai l'impression que ça ralentit quand même pas mal. Tu peux me dire logique. Ouais mais c'est bien de savoir les diffs quand même. Accélère dans la descente, mais garde un peu de nitro pour le tremplin. J'ai plus de nitro, je suis comme un sac mon nitro. Oh trop passé devant mon team. Alors bam, prompts. Bah. Maintenant, propulseur à fond. Ouais, vas-y. Et on décolle. Oh là 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 là. Ils ont fait l'intérieur, les autres là-bas, hein. Ils font du. Boucan. Le clou du spectacle. Allez, on casse la baraque. Ouais, allez, le clou. Il est passé à la fin lui. Toi derrière moi toi. It's a me team. It's a me. Et voilà, on finit props. Et c'est beau. Bon lolo, regardez-moi la voiture qu'on va jouer avec, stylée pour cette avant-dernière épreuve. Renault Roar. Les muscle cars sont par nature des véhicules modifiés. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas les rendre encore plus agressifs. Prends la Mustang Shelby GT500 Tribute édition de Jim et affronte des machines légendaires améliorées. Encore plus de puissance, encore plus d'attitude. Fais rugir ton V8. Voilà, nous sommes ici. Pas loin d'où on était tout à l'heure, voilà, pas loin du centre. On gravite autour de ce centre-là. Et c'est parti pour jouer avec cette belle tuture avec stylé. Franchement, elles sont bien. Non, on va pas. Non. On est déjà niveau 4, c'est déjà très bien. On va pas mettre niveau 5. Mais elle est belle, la voiture. Après l'image, je la mets en valeur. Mais elle est belle. Oui, en plus, c'est une voiture de Street 2. Avant, on avait que des véhicules de Street 1. C'est-à-dire des voitures Street Race, mais normales. Genre les voitures un peu normales. Et là, on est en Street 2, vraiment des sportives. Les voitures qui envoient la patate pour de vrai. Pas juste, ouais, elle est sympa, elle est stylée, elle a un truc, mais vas-y, là, elle bam. Je parle sans trop m'y connaître, hein, si jamais. Bon, là, ça rend bien, bon, là, la vidéo rend bien sur cette voiture, donc ça va. Allez, après, le jeu doit être baissé par rapport à avant, au début de la vidéo, que j'avais baissé un moment, que ça me casse les oreilles, à force de l'avoir à fond dans les oreilles tout le temps. N'hésitez pas à me dire si c'est un vous gêne un peu ou pas, si vous préférez que je remonte ou quoi. Elle est stylée, elle est belle, hein. Regarde-moi cette meute de bêtes sauvages. Cette course va être sanglante. Relax. Ouais. T'as la meilleure machine. Faudra juste pas faire de fausses notes. T'inquiète, mon pote. Tu vas frotter à de méchants virages d'entrée de jeu. Ouvre l'œil et essaie de garder le contrôle de ta machine. Et... Ah, ça joue vraiment très bien. Hein. En maniement et tout, on sent qu'elle est au-dessus de celle d'avant. T'as passé la
route. Maintenant, tu peux ok, on va faire un peu de ligne droite donc. Putain, pas mal. Hein. La musique va bien avec. Normalement, vous YouTube et Twitch aussi, peut-être vous n'avez pas grâce au mode streamer. Puis on verra bien. Hein. Fan de la Shelby GT500. Oui. Et là, on voit que ça. Le volant de ma voiture la plus agressive. Mon édition spéciale Jimbo Full Power. Après, ça n'a pas touché le mur. Cette voiture, c'est l'un des joyaux de ma collection. Tous les murs. Elle me parle dans mon sommeil, je te jure. Ok, vraiment. Jamais le morceau. Jamais. Voilà. Je sais pas si c'est dommage qu'on ait une version limitée comme ça, que l'intérieur ne soit pas... C'est quand même un peu modifié, non, j'ai déjà dit qu'elle ne soit pas modifiée, mais il y a quand même un peu de modification, donc j'ai plus. Mais sur les compteurs, j'aurais bien voulu plus. Je pense que je suis un peu chiant. Un peu beaucoup, peut-être, même. Allez, bon. Ok. T'inquiète, bro. Dommage. On aime bien finir dans les ports, dans les eaux quand même. Ok, bah ça se fait bien, pas mal de lignes droites et tout. Pas mal, pas mal. Ouais, les crocs. Après un serpent, ça fait pas. Allez, c'est bon. Je sais pas. Allez, on va peut-être éviter. Wouhou, on a fini. Ah, il a fait nous bleu à la fin. Où est-ce qu'on a fait? La dernière épreuve des trois finishers. Du coup, on va avoir l'honneur d'avoir la voiture classique de Monsieur Jim. Voilà, l'honneur qui nous la prête. C'est au cours des années 60 que l'identité des muscle cars a véritablement fait surface et l'endroit où montrer ce que ta voiture avait dans le ventre à l'époque était Détroit. Jim a gardé pour cette dernière sortie l'une des voitures les plus emblématiques qui a marqué cette époque charnière, la Mustang Boss 429 de 1969, la voiture qu'on a actuellement, si je dis pas de bêtises. Prépare-toi pour de bonnes sensations à l'ancienne, mais ne t'attends pas à une course facile. Donne tout et écoute ta Mustang. C'est elle le boss. Voilà, nous sommes ici pour terminer cette épreuve. Voilà, ici il y a un truc... Ça a l'air sympa. Ah oui, c'est un autre, ok, je vois c'est quoi comme truc. Pas mal. Ok, eh bien, allons-y pour cette dernière épreuve avec la même voiture que nous avons là, mais... C'est pas grave, c'est parti. C'est un peu moins rapide, du coup ça peut peut-être être un peu... On peut peut-être la sortir moins, finalement. Viens de moi la dernière. Oh, et tout petit bébé rouge dedans. Ah, pas d'effort pour la cinématique de fin, dommage. Ce soir avec ça, je sais, on demande plus, on demande toujours plus. Mais c'est très bien quand même. Je suis très chiant, mais c'est quand même très bien. Allez, c'est parti. Ok. C'est notre dernier show. On va faire un max de bruit. Ouais. Et au volant de ma voiture préférée, la star okay. de ma collection, la Mustang oui, c'est ce qu'il avait dit. 429 de 1969. Le nom parle de lui-même, l'une des plus anciennes muscle cars, et toujours l'une des meilleures.
Bah ouais, et au moins esthétiquement c'est largement le cas. Hein. Esthétiquement à pète. Hein. Ils sont forts les Américains quand même. Dans les voitures de ce style là, dans les vieux trucs, ça y a rien à dire, hein, je crois. J'ai si mal pris sur ce virage là. Les virages, je les prends pas bien encore. J'ai dans le 2, des fois c'était pas fou alors là. Concentration max, parfait. Ok, ouais. Et quand je les prends bien, je me prends toujours le mur. Dommage. Dommage, oui, bah oui, tu m'étonnes, dommage. La boss, c'est une icône. Elle a façonné l'âge d'or des muscle cars. Des années 60 au début des années 70, c'était ce qui se faisait de mieux. Et c'était l'époque pendant 10 ans quand même. Ce type de voiture muscle car. Ça... OK. Hot Rod, Dragster. Ils ont marqué un peu plus leur identité. Ouais, même si l'esprit Hot Rod existait depuis le début des années 50, c'est que dans les années 60 que le terme muscle car est apparu. Ça incarnait vraiment la soif de rébellion de toute une génération. Ah ouais? Tu m'étonnes. À l'époque, si on aimait les muscle cars ou les voitures en général, c'était du côté de Détroit que ça se passait. T'as déjà entendu parler de l'avenue Woodward? Non. C'était un spot réputé pour les courses de rue. Ok. C'est bien savoir, hey, il nous rajoute un peu de culture. C'est pas mal. Voilà. Ça fait déjà 50 minutes que je suis sur cette seconde partie de ce truc là. Les vidéos vont être coupées en trois, c'est pas possible, c'est long. Enfin, c'est bien, c'est très très bien. Mais du coup les vidéos vont être coupées. Hein. Mais j'ai lancé le jeu et le live et instant j'ai... Plus ou moins un chance, j'ai lancé le... Pas le... La course. Pas la playlist donc. Troisième tour. Et la suite. On va finir en attaquant comme il se doit. Montre-leur qui c'est le boss. Ouais, on y à fond les ballons. On sent qu'elle est pas améliorée. Hein. Attends, c'est. Qui est normal. Voilà. On va pouvoir continuer comme ça. Ça sent très bien. Et c'est dommage que là, comme c'est une course à tour, on voit pas le pourcentage. On sait, je sais pas combien on en est de la course. Ça manque, c'est dommage. Avant, malgré les tours, c'était marqué. Je sais pas si avec le nombre de tours, il y avait des tours. Je sais plus, mais je crois que oui. Quand même. Il y avait toujours les pourcentages. Alors là, c'est que pour les courses uniques, quoi. Genre. Arrivée, départ, pas de tour. Enfin. Mais pour ça, non. C'est un peu dommage. Oh là là. Sumo Starlight. Et bam, on a fini premier, ça va, ça se fait bien. Bon, niveau Mac. Niveau 5, ça doit bien jouer quand même. Il est temps de récupérer ta récompense. Ton véhicule t'attend. Ah oui, elles ont récupéré notre récompense. Youpi. Le muscle car peut être décrit de bien des façons, mais rien ne l'exprime mieux qu'une rencontre directe avec. Je sais pas c'est quoi qu'on va gagner en plus. J'espère que tu as profité au maximum de cette expérience. Et ouais, c'est assez chouette, ouais. Et c'est parti pour récupérer notre réponse finale. Le petit Jim a dit qu'il ne pensait, qu'il n'aurait jamais pensé autant kiffer les muscle car en tant que passager de nous. Donc il est très content. Il nous conseille de continuer de tout déchirer. Et voilà, nous sommes ici. Et on va récupérer notre petit véhicule. Dont je ne sais pas. Je sais pas ça va être quoi. Pas une Mustang je suppose, mais laquelle. Je sais pas. Et voir, après je vous laisse avec la truc. C'est sa version à lui. Yes, c'est ça qu'on veut, celle qu'on voulait, trop bien.
playlist débloquée et parée au décollage, pilote. Et voilà. Du coup, on a pas mal d'argent. Pas encore fait les 10 pistes pour le voyage rapide de tout partout, mais ça va. On a avancé dans le main stage, on a pas gagné un peu de thunes. Plutôt pas mal. Ouais, le truc de port, ça sera plus tard, mais pas maintenant, maintenant. Du coup, bah, y a les challenges, on peut aller les voir. Est-ce qu'on a fait un petit challenge sur le passage en même temps, peut-être, mais je ne crois pas. Voilà, donc ça c'est débloqué. Vite fait, où en suis-je dans les main stage? Du coup, c'est surtout pour ça que j'ai prenais les... je faisais le truc Muscle Car. Parce que du coup, oui, que là, faut que je fasse des épreuves et tout. C'est ce qu'on est en train de faire, donc, mine de rien, ça monte petit à petit. Il manque encore 50 000 XP quand même. Des trucs grand race et tout, summit et tout, machin. En vrai, c'est plutôt bien avancé. Sauf qu'on a encore 14 jours, donc ça va. Et celui-là va faire un manque de man, mais ça va. Ok. Donc, voilà, YouTube, on va pouvoir s'arrêter là pour cette playlist. American Muscle Mustang Tribute. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Il y aura peut-être eu deux ou voire trois vidéos, parce que là, rien que pour la seconde partie de l'épreuve, j'ai pas pris une heure à faire. Est-ce que je suis lent? Bah peut-être. Mais quand même. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à lâcher le petit like ou l'abonnement, ça m'aidera beaucoup et ça fera très plaisir. Je suis actuellement en live sur Twitch quand je fais cette vidéo. Donc si jamais vous voulez me suivre, papotez avec moi, jouons ensemble ou quoi que ce soit, et bien n'hésitez pas, le lien est en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, que ce soit la vidéo en elle-même ou ce que nous avons fait aujourd'hui. Nouvelle playlist en vue, on y va. Et avec cette belle petite voiture, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Adoré concevoir la prochaine playlist. Un indice, pense à plus. Ouais, elles sont pas très fortes, je sais, mais bon.